Hey matelot, ici Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de maison moderne sur Minecraft que vous m'avez demandé. D'ailleurs, je vous avais fait en live, hein, d'ailleurs, un sondage en live lors de ce dernier live qu'on fait tous les dimanches. Quelle maison vous préféreriez avoir en tutoriel? Et vous m'avez, enfin, je vous ai proposé plusieurs, et vous m'avez dit que celle-ci vous convenait beaucoup. C'est une maison extrêmement originale pour le coup, parce que comme vous le voyez quand on regarde du dessus, ça fait une maison en forme d'escargot, un peu bah, comme le titre de la vidéo en fait, donc forcément. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble, je trouvais ça plutôt intéressant de vous la présenter. J'ai un peu galéré pour trouver un design qui soit intéressant à montrer. Et donc voici un peu la chose, voilà. Sur ce, c'est ça que je vais vous montrer du coup sur ce coup-là. Si ça vous intéresse, bah, abonnez-vous, mettez un pouce bleu aussi à la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça fait monter la vidéo dans les statistiques YouTube. Hein, donc c'est toujours ça. Moi du coup, ce que je vais vous donner pour commencer ce tutoriel... Ah oui, alors je vais vous dire aussi, voilà. Pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne, on fait d'autres constructions. Par exemple, celle-ci, c'était une maison qui a été parue il y a quelques temps sur la chaîne. Voilà, pour faire en tutoriel, hein, pour apprendre à la faire. Voilà, si jamais ça vous intéresse, on en fait d'autres aussi après. On en fait plein comme ça, voilà, sur la chaîne. Plein de maisons différentes. Et voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Alors juste du coup, pour cette maison-là, du coup, à faire en tuto... Je vais d'abord vous donner la forme vue du dessus, comme ça je vais vous donner toutes les dimensions, une par une, ok, et comme ça vous pourrez les refaire en même temps dans le jeu. Et voilà, donc je vais partir de là et je vais faire tout le tour pour revenir après de l'autre côté. Et du coup voilà, c'est pour ça il faudra juste être pointilleux sur ce que je vais vous dire là maintenant. Mais après, c'est vrai qu'une fois que vous aurez ce pattern là au niveau du sol, bah tout le reste est assez simple en fait finalement. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ce... bloc là, d'accord. Donc on va faire une première rangée, moi je les ai fait en quartz, de 8 blocs de quartz, d'accord, ici à ce niveau là à côté vous en mettez une de 3 blocs, puis après 2 blocs, un bloc en diagonale, un autre bloc en diagonale, 2 comme ça, 3 ici, 2 comme ça, on revient en dessous, on en remet 3, 2 ici, 1 en diagonale, 2 comme ça, 3 ici, 2, 2 dans l'autre sens, 3 ici, 2 comme ça, ici sur la longueur on en a 6, on se met en perpendiculaire, on en a 6 ici aussi, ok, on revient comme ça, on en a 2, dans ce sens là on en a 2 aussi, ici on en a 7, ok, puis après on revient, on en a 3, puis 2, puis 1, 2 dans ce sens là, 3 après, hop, du coup ici c'est combien, c'est 7 aussi, 7 sur la longueur à ce niveau là, après on revient comme ça, on en a 3 ici, puis 2, puis 3 blocs de 1 en diagonale, hop, 2 comme ça, 3 ici, ici on en a 10 sur toute la longueur, ok, on revient vers l'avant, on en a 3, 2, 1, 2, 3, 4 blocs en diagonale, on revient comme ça, on en a 2, re 2, 4 ici, et 10 ici sur la longueur, ouais c'est ça, je me suis pas planté, 10 ici sur la longueur, et normalement, pour savoir si vous n'avez pas eu de problème, si vous n'avez pas fait d'erreur, ce bloc là doit être aligné avec notre bloc de départ dans lequel on était parti, ok. Donc, il doit être séparé donc, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Il doit y avoir 8 blocs en tout entre les deux. Voilà. Du coup, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on va venir... Alors, réutiliser les blocs de quartz quand même. Hop, hop. Et on va venir, voilà, faire un dégradé en quelque sorte. C'est-à-dire que, vous voyez, on va venir sur notre entrée qui est à ce niveau-là, qui est très très haute. Et petit à petit, plus ça va aller, plus on va descendre en niveau pour atteindre 3 blocs de hauteur au final. Vous voyez? Et donc on en a 14 blocs au tout départ, et ça va descendre petit à petit pour arriver jusqu'à 3. Voilà. Et c'est ça qu'il va falloir manager, c'est à peu près tout. Donc voilà...
L'idée c'est qu'on va venir du coup partir d'ici, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, de l'autre côté aussi. Hop, voilà, donc là on a notre entrée. Et à ce niveau-là, je vais enlever les pancartes. Ok, à ce niveau-là, du coup, on va être à 3 blocs de hauteur hein, sur toute cette partie-là, hein, vraiment de la maison. Alors du coup, maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va faire pour faire un dégradé entre ce point-là et faire progressivement jusqu'à ici. Eh ben, il n'y a pas de secret, va falloir le faire petit à petit. Et pour ce faire, en fait, je vais vous proposer de suivre un modèle que je viens de faire là. C'est-à-dire qu'on va partir du haut en fait de notre porte, hein, de notre entrée. Et l'idée c'est qu'on va faire des marches, vous voyez, des marches différentes pour arriver jusqu'au sol ici. Qui vont être de 3 blocs, puis de 4, puis de 3 blocs, puis de 4, puis de 3, puis de 4, puis de 3, etc. etc. pour descendre petit à petit jusque à ce niveau-là. D'accord ? L'idée c'est que évidemment il va falloir rester pile au-dessus de la courbe qu'il y a en dessous, parce que là regardez, je prends un peu de hauteur et vous voyez que les courbes que j'ai fait et qui avaient déjà au sol sont superposables hein, donc il faut vraiment faire les choses pile au-dessus. Et donc voilà, normalement si vous faites donc ce que je viens de dire hein, vous démarrez avec 3 blocs comme ça, puis après 4 blocs sur la longueur, puis après vous en gardez 3, puis après 1, 2, 3, 4, puis après 3, puis après 4, puis après 3, puis après 4, etc. etc. Vous descendrez à peu près jusqu'ici pour avoir une forme de comment ça s'appelle, d'escargot plutôt sympa. Maintenant, il nous faut faire une deuxième forme qui est celle de l'extérieur finalement. La forme en spirale de l'extérieur hein, que je viens de faire ici, qui est comme ça. Ok. Alors, du coup, va falloir suivre attentivement les dimensions que je vais dire parce que ça va pas être si simple. L'idée c'est qu'on va partir de ce bloc là et après je vais donner toutes les dimensions pour aller tout jusqu'en bas de l'escargot, sachant que bien évidemment il va falloir rester superposé aux courbes qu'on a mis en dessous hein. Vous voyez, quand je me mets au dessus c'est complètement confondu avec les courbes d'en dessous et donc il va falloir respecter ça. Ok, donc voilà, je vais vous donner toutes les dimensions du coup. Ok, donc à partir de ce bloc là on en a 3 blocs, ok. En dessous on en met 4, en dessous on en met 6 ici, en dessous on en met 7, d'accord. En dessous du coup on en a 5 ici comme ça, ici on en a 7 ici sur la longueur, en dessous du coup encore une fois on en a 6, faut toujours respecter la courbe hein, évidemment en dessous encore une fois on en a 7, ok, sur les diagonales. Encore en dessous, on en a 8 cette fois-ci sur la longueur. Encore en dessous, on en remet 7. Et en dessous, là, on en a un très grand, très très long qui en fait 13. Ok. Donc voilà, sur toute la longueur. Hein, les dimensions que je vous donne, c'est vraiment pour avoir les blocs au même niveau. Voilà. Donc normalement c'est bon. Normalement vous avez cette forme là et c'est vraiment le plus dur qu'il fallait avoir lors de cette construction. C'était vraiment ça le pire. Maintenant ça va aller beaucoup mieux. Hein, déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir les murs. Ok, ça va aller vraiment beaucoup beaucoup mieux. On va remplir les murs, c'est-à-dire qu'on va prendre les blocs de quartz hein, classiques et on va venir les monter comme ça. Hop, tout jusqu'au bloc qu'on avait mis en dessous, enfin au-dessus plutôt. Hop, ici comme ça, vous voyez. Voilà, et on fait ça sur tout le long des murs, hein, à l'intérieur et à l'extérieur de notre escargot. Alors, une fois qu'on a rempli les murs comme ça, l'idée c'est qu'on va utiliser les blocs de béton gris, ok, comme ça, hein, classique, et on va les mettre par-dessus les murs qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, voilà, comme ça, tout simplement. Pouf, 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 et on va complètement recouvrir les murs comme ça, de juste les bords des murs hein, de béton gris, ce sur toute la surface de l'escargot. Ok, une fois que ça c'est fait, on va utiliser du coup, enfin on va réutiliser le béton pour le mettre par-dessus comme ça, vous voyez, on va remettre le béton par-dessus la couche de béton qu'on a déjà mis pour avoir du relief avec le mur, vous voyez, comme ça. Qui va venir par-dessus, par devant, le béton qu'on a déjà mis. Voilà. Hop, comme ça, donc pareil, hein, on le fait sur toute la longueur. Hop, j'arrive pas à le mettre ici. Voilà, on le fait ça sur toute la longueur
de notre escargot. Vous voyez, et déjà ça rend mieux hein, tout de suite. Alors maintenant on va rajouter encore une couche de béton, mais par-dessus celle qu'on a déjà mis, hein, c'est-à-dire que vous voyez là on a deux couches de béton sur tout le long. Eh bien on va remettre deux couches de béton comme ça, voilà, sur toute la surface. Hop, encore une fois, on refait ça sur toute la surface de notre escargot. Et ça commence du coup à faire joli. Alors, on va réutiliser les blocs de quartz pour les mettre au niveau de l'autre entrée. Ici, voyez-vous, donc 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur. Allez, on va mettre ça. Pouf, ici, comme ça, magnifique. Et par-dessus ce machin, on va rajouter du coup des demi-blocs de quartz que l'on va faire par-dessus. Pouf, 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 pouf. Hop, ici, comme ça. Et on va les faire, voilà, 2-3 blocs de long hein, par rapport à notre façade. Pouf, ici, comme ça. Ça sera pour plus tard, hein, dans l'idée, mais je le fais tout de suite, comme ça, au moins, c'est fait. Alors, du coup, on va mettre les barrières de bois aussi en dessous. Les demi-blocs. Paf, comme ça. Hop, et hop. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on va faire le sol, en fait, l'intérieur de notre construction. Ici, comme ça, hein, hop. Voilà, et on va remplacer tout le sol à l'intérieur de notre voilà, de notre maison, tout simplement en bois, hein, parce qu'on aime le bois c'est bon, mangez-en, voilà, le bois comme ça, pouf, et on va remplacer tout, tout le sol à l'intérieur, sachant qu'évidemment, bah, c'est en rond, donc ça a un sol assez balèze. Voilà, hein. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va mettre le toit en place. Et comme tu as pu le voir, du coup, sur le modèle, le toit, il est tout en herbe. C'est même ça, ça, la particularité vraiment de la maison. C'est avoir un toit qui est en marche. Enfin, voilà, avec différentes crans, on dirait des marches, en fait. On dirait un escalier, quelque part. Et c'est ça qu'on va essayer de refaire. Alors, du coup, l'idée, c'est qu'on va venir mettre cran par cran. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, là, c'est à la même hauteur que l'autre bout, ici. Ce bout là, il est à la même hauteur que l'autre bout là-bas, donc on va les relier directement en ligne droite. Alors du coup, j'ai plus mes blocs de béton, hop comme ça, on va les relier en ligne droite ces deux blocs là. Par contre du coup vous prenez des blocs à ce niveau là ici, eh bien il est en face, il est à la même hauteur que ce bloc là, donc il va falloir avoir des marches qui vont être en diagonale, vous voyez. Là on va être droit, mais là par exemple, vous voyez, entre ici et là-bas, qui sont à la même hauteur, on va être tout en diagonale là aussi. Donc c'est ça qu'il va falloir jouer. Hop, donc ici sur les premières marches, on va à un bloc de profondeur, bien sûr. Hein. Hop, mettre le toit comme ça. Puis après, on baisse d'un cran, on met un toit comme ça. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, le... Les trucs sont pas à la même place chacun. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois faire en sorte que, que chaque bout ici, vous voyez, là et là, se soit relié de manière la plus droite possible. En fait, vous voyez, là, donc on a deux blocs par deux blocs et on a une ligne qui est plutôt bien. Hop, ici, par exemple, on doit relier ce bloc-là à ce bloc-là, là-bas. Donc... on se met ici et on va en diagonale, pourquoi pas, voir si ça passe bien. Oui, ça passe plutôt bien. Donc une fois qu'on a ça, on remplit d'herbe tout jusque à ce niveau-là, vous voyez. Hop. Hop. Et ainsi de suite pour chaque marche. Vous voyez, on fait ça pour chaque marche. Par exemple, voilà, ici, là. On doit le relier à ici là-bas, donc on va peut-être essayer de faire du 2 par 2. Hop, là c'est donc c'est un petit peu court, donc on va essayer 3 par 3. Hop. Ok, donc là on va remplir après toute cette surface là à la même hauteur. Ici du coup, hop, ça va être facile, c'est en ligne droite à ce niveau-là, etc. etc. Vous voyez, hein. Donc ici on va remplir comme ça. Ok, ici du coup entre ces deux points là on va les mettre en diagonale, hop, etc. etc. Et donc du coup l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une ligne comme ça on va remplir tout d'herbe les blocs qu'il y a derrière jusqu'au point précédent, jusqu'au truc du dessus quoi finalement, hop, hop comme ça vous voyez, hop.
et etc etc, et on fait ça sur tout le reste des marches, hein, pour faire le toit. Voilà, chose faite. Alors une fois qu'on a mis toute l'herbe ici comme ça, vous voyez que ça fait des jolies marches, hein, et on va mettre de la poudre d'os par dessus pour faire pousser un petit peu de pelouse, voyez-vous. Pouf, 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 voilà comme ça, hop. L'idée c'est qu'on va éviter de mettre des blocs de 2 blocs de hauteur, parce que du coup ça dépasserait notre béton qu'on a mis sur le côté, et ça serait moins sympa, hein, dans l'idée. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on va faire ça partout sur toute la surface du toit. Du coup maintenant on va utiliser les vitres classiques pour faire des grandes fenêtres sur toute la longueur de notre bâtiment, ou du moins presque toute la longueur. Par exemple ici, vous voyez, on est dans la partie recourbée, et on va venir sur le côté ici, vous voyez, sur les deux blocs de hauteur sur la partie courbe, mettre une grande et très très longue fenêtre, hop, ici comme ça, tout jusqu'ici par exemple, hein. Donc voilà, une fenêtre très très longue. Même, voilà, même carrément jusque là. L'idée c'est que comme les murs sont fins comme ça, on va rajouter des blocs de quartz du coup dans les creux pour éviter d'avoir des problèmes de connexion. Hop, ici comme ça on rajoute des blocs de quartz. Vous voyez, pouf 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 pouf. Et pourquoi on rajoute des blocs de quartz ici? C'est parce que si on les avait pas rajoutés, eh bien à ce niveau là on aurait des trous. Voilà, tout simplement. D'ailleurs il faut les rajouter aussi au niveau du dessus à ce niveau là, donc hop 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 hop. Voilà, donc on met de la vitre partout, voilà, du coup. Alors on va rajouter des demi-blocs du coup par dessus le haut de la fenêtre pour avoir un peu de relief dans la structure de la maison, parce que c'est ça le problème. La structure de la maison elle est très très bien en elle-même, mais par contre pour mettre des détails par dessus c'est beaucoup plus compliqué pour que ça ressorte vraiment. Et donc voilà, on va mettre des demi-blocs comme ça par dessus pour avoir un minimum de détails à mettre. L'idée c'est qu'on va aussi rajouter des murs végétalisés carrément. Donc l'idée c'est que ici, vous voyez là, sur toute cette place là, on va mettre des barrières comme ça sur 4 blocs de large, un peu n'importe comment, sur toute une hauteur comme ça, sur toute la hauteur du bâtiment, à peu près un bloc sur deux, voilà. Et tout le reste dans les trous on va mettre de la feuille, hop, pouf, si j'arrive à, voilà, à cliquer où il faut, hop 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 hop, et ça nous fait un mur végétalisé tout à fait sympathique, vous voyez. Alors on va garder notre barrière et notre feuille pour faire un grand arbre qui va dépasser du milieu là-bas, comme vous le voyez, de l'intérieur de notre maison. Donc on va le faire dépasser d'ici, hein, de l'intérieur vraiment du creux. Hop, et on va mettre tout un tas de barrières les unes sur les autres pour arriver à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 mètres de hauteur, et on va venir faire une espèce d'arbre par dessus. Donc pouf, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aussi, pareil, hein, aussi au col large, enfin aussi au col machin, pourquoi pas. On va venir, voilà, faire des formes comme ça, hop, en donnant une forme un peu de flamme au truc. Enfin, une sorte de forme de feuille, en fait, en gros, qui est plus long sur la pointe qu'à la base. Vous voyez? Donc, on peut faire un truc comme ça. Hop. Voilà, par exemple. Hein. Hop. Hop. Voyons ce que ça donne. Eh bien, oui, pourquoi pas. Ça commence à le faire. Alors, l'idée, c'est que maintenant, on va aussi mettre un petit peu de trucs au niveau du sol ici. Vous voyez, par exemple on va mettre l'arbre sur une petite île, voilà, hop, voilà, une petite île ici, et tout le reste on va l'ouvrir sur le côté en laissant une bande d'herbe par exemple collée à la maison pour avoir des fleurs, voilà, ici, tout ça, voilà, tout ça on va faire une petite mare avec, hop. Hop, 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 et on va remplir de flotte, hein, parce qu'après tout, on va aussi rajouter de la lumière avec des blocs lumineux au fond de la mare. Hop, voilà, parce que quand il y en a marre, il y a mal à barre. Après tout,
je peux faire des blagues de merde aussi. Alors du coup, maintenant on va prendre des grandes... Des grandes fleurs ici, genre des rosiers, et des fleurs bleues, ou voilà, genre de choses. Et on va les mettre à l'arrière, par exemple. Ici comme ça, on va rajouter aussi de la canne à sucre. Hop. Sujarcane. Hop, et on va les mettre du coup près de l'eau, ici comme ça. Voilà, on peut les faire pousser assez haut, hein, pas besoin de les faire trop dépasser en fait du toit, parce que si les cannes à sucre, on les fait dépasser du toit, on les verra de l'extérieur. Alors que c'est un peu dommage, parce que si quelqu'un, du coup, vous voyez, si quelqu'un arrive ici et voit déjà dépasser les cannes à sucre, bah du coup, il sait qu'il y en a. Alors que s'il est obligé d'arriver jusqu'ici pour voir les cannes à sucre, bah ça lui fait une surprise supplémentaire. Vous voyez, ça veut dire que la maison a encore des choses à cacher, a encore des secrets à révéler, et qu'on est obligé d'entrer dedans pour voir s'il y a des choses à découvrir. Donc c'est plus sympa, je trouve. Voilà, moi je vais mettre des petites fleurs par devant. Voilà, ça fait plus sympa, un petit oasis, en quelque sorte. Ok, alors... Une fois qu'on a ça, du coup, on va rajouter un petit chemin en plaque de pression pour aller genre d'ici, par exemple, là, hop, à ce niveau-là, pour faire à peu près, enfin, pour faire une porte à ce niveau-là, hein, pourquoi pas, parce que c'est vrai que si on est obligé de... Si ici, c'est la seule et unique porte de la maison, si le truc que t'as envie, tu vois, t'as mis un coffre juste là, et que l'item que t'as envie de prendre, il est juste dans le coffre, bah, t'es obligé de te taper tout le long de la maison avant de choper le coffre. C'est quand même mieux de mettre une porte ici, je pense, d'un point de vue pratique, en tout cas. Donc, on va faire ça. Pouf! Paf, pif, et hop, on met les machins ici. Alors l'idée, c'est qu'il aussi va falloir camoufler un petit peu l'herbe, la terre au plafond, parce que... Enfin, on fera ça tout à l'heure. On va mettre une fenêtre ici sur tout l'angle. Voilà, hop, comme ça. Ok, et on va mettre une autre fenêtre par derrière, à ce niveau-là, par exemple. Hein. Youp. Voilà. Pour avoir des longues fenêtres qui donnent de la lumière à l'intérieur de la maison. Et donc, comme pour la première fenêtre qu'on a fait, hein, on va rajouter des blocs de quartz en dessus et au-dessus pour éviter les trous qui pourraient être générés par les vitres. Hein. Pouf, 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 pouf. Voilà, pouf, 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 pouf. Ok. Et vous voyez, hein, voilà, on refait la même chose. On reprend nos 8 vitres et pouf, on les met par-dessus. Ok, alors du coup j'en ai profité aussi pour mettre du quartz au niveau du plafond. Vous voyez, j'ai mis des demi-blocs de quartz à tapisser tout simplement le fond le dessous de la terre qu'on voyait au niveau du plafond. Ok, donc voilà, ça marche plutôt bien, j'ai mis de la vitre ici aussi. Ok, donc maintenant ce qui nous reste à faire, c'est à mettre la porte à ce niveau-là quand même. C'est vrai que j'ai oublié de la mettre. Et aussi, du coup, les quelques finitions au niveau décoration qu'on va mettre, c'est-à-dire les murs végétalisés qu'on va mettre entre les fenêtres. Voilà, donc ici, là, par exemple, hein, on va mettre, pouf, voilà, des barrières à ce niveau-là. Hop. On peut en mettre pas mal quand même, hein, il n'y a pas de... de problème, je pense. Voilà, donc on peut en mettre comme ça et rajouter des feuilles entre les trous. Hop, hop, et ça nous fait des murs végétalisés. On fera ça entre les fenêtres là aussi. Donc du coup, évidemment, les fenêtres, on rajoute des demi-blocs par dessus pour rajouter un petit peu de détails, parce que sur ce genre de mur, c'est très compliqué de rajouter quelque chose en fait. Les murs, ils restent globalement très lisses, très blancs, et voilà, donc c'est j'ai pas mal galéré à trouver des astuces pour les décorer malgré tout. Et donc c'est ces choses-là, c'est-à-dire voilà, mettre des choses par-dessus les fenêtres et mettre des murs végétalisés. On peut en mettre un ici aussi. Hop. Et puis voilà, qu'est-ce que on pourra rajouter? On pourra rajouter de la végétation toujours autour du bâtiment, hein, ça c'est toujours le truc.
D'ailleurs, là, j'avais fait dépasser la canne à sucre. Mais voilà. Donc, je pense qu'on a pas mal fini. L'idée, c'est qu'on va rajouter une petite... Hop, un petit chemin, vous voyez, avec les plaques de pression ici, pour aller dans notre petite cabane secrète. Bon, ben, même si c'est pas très très secret, mais on peut en mettre ici aussi. Donc, vous voyez un peu la tronche de notre maison escargot, qui est assez stylée, hein, vraiment. La forme de la maison en elle-même est stylée, donc avec l'arbre et tout, ça peut n'être que bien. Voilà. Du coup, je pense qu'on a fini. Youp, paf. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, je te souhaite un très bon jeu. Bon vent, matelot. Et à la prochaine.